moment de supporter. Allons-y tous ensemble, rendre cette canne sucrée. J'espère qu'à l'arrière-plan, les cas sont bien protégés. Pour buter, tu dois dribbler, si la tête est réengagée. Ah, petite tête à gauche. Ah, petite tête à droite. أهلا بكم مشاهدينا في هذا البث المباشر والتغطية الدائمة لقناة الهدى أفريكاسي أمم إفريقيا التي انطلقت أمس بالكامرون. اليوم ينشط بعد قليل الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية تسبق المباراة التي تجمع الخضر بمنتخب سيراليون غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب جابوما الدولة الكامرونية. الناخب الوطني ومثل ما تظهره الصور وصل قاعة المؤتمرات الصحفية وهو بصدد تنشيط ندوة صحفية ستدوم حوالي 45 دقيقة. الناخب الوطني سيتحدث عن تشكيلته وطبعا عن رغبته وأهدافه في هذه البطولة التي يريد كل المتتبعين أن تكون الحفاظ على اللقب القاري. إذن الناخب الوطني جمال بلماضي وكعادته يستعد الآن لتنشيط ندوته الصحفية في قاعة المؤتمرات قبل مواجهة سيراليون غدا الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا. المنتخب الوطني كان قد أجرى أمس أول حصة تدريبية جرت بملحق ملعب جابوما الذي سيحتضن المواجهة أمام سيراليون، وشهدت التدريبات تواجد جميع اللاعبين باستثناء المدافع مهدي طهرات الذي بقي في الدوحة بسبب إصابته بفيروس كورونا. تدريبات الأمس جرت بحضور النجم الأول للمنتخب الوطني رياض محرز الذي أعفي من تربص الدوحة بقرار من الناخب الوطني. وشهدت التدريبات أيضا اندماج اللاعب سفيان فغولي الذي خضع لبرنامج على انفراد في الدوحة بسبب معاناته من إصابة، لكن اللاعب لاعب نادي غلاتا سراي سيكون جاهزا للمواجهة أمام سيراليون. إذن الناخب الوطني جمال بلماضي سيستفيد من تعداده كاملا في مباراة غد أمام سيراليون. المنتخب الوطني الذي يملك 34 مباراة دون هزيمة سيبدأ غدا الثلاثاء من ملعب جابوما على الساعة الثانية زوالا. سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه القاري الذي حققه في العاصمة المصرية القاهرة عام 2019. أترككم الآن مشاهدينا مع الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Déjà avant toute chose, petite pas information mais déclaration concernant directement nos affaires. Je parle entre Algériens. Je voudrais souhaiter mes condoléances à notre cher ancien joueur du FLN, Abdelkrim Kerroum, qui vient de nous quitter. Allah yarhamou, Allah yawassi alayh. Et voilà, condoléances à la famille, Adam Allahu ajrahum. Et voilà, nous sommes et nous espérons être les dignes successeurs de ces braves hommes qui ont été pour nous et qui sont pour nous des exemples à suivre, tant dans leur défense de leur pays, notamment via le football. Donc nous sommes directement liés à eux. Donc Allah yarhamou et que Dieu donne la patience à sa famille. C'est la première des choses. La deuxième des choses, donc par rapport à cette compétition, évidemment nous arrivons avec en tant que détenteur de ce titre-là, dans une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations, avec un niveau de compétitivité extrêmement fort, avec des équipes toutes capables, en tout cas une majeure partie de ces équipes toutes capables de remporter ce trophée.
Nous allons rentrer dans cette bataille dès demain avec beaucoup d'ambition et avec l'ambition ultime et logique d'essayer de conserver notre titre. On sait tous que ce ne sera pas évident, on sait tous que ce ne sera pas chose aisée, mais en tout cas voilà ce que sera notre objectif et on mettra tout en œuvre pour y arriver. We take comments from Captain Riyad Mahrez as the captain of the defending champions. Riyad. Tout d'abord, salam alaikum. Bonjour à tous. Voilà, comme le coach a dit, on arrive une nouvelle CAN en 3 ans. On est les tenants du titre. Mais faut savoir que même si on est tenant du titre, ça ne veut pas dire qu'on sera les favoris ou qu'on va on va la gagner encore une fois. Ce sera encore plus dur que la dernière CAN. Je pense que le niveau aussi il est plus élevé, les équipes sont meilleures. Mais voilà, comme a dit Jamel, on arrive avec beaucoup d'envie et d'ambition pour essayer de faire la même CAN que l'année 2019 et essayer de faire quelque chose de grand pour le pays, Inch'Allah. Thank you very much. You say your name and your media organization, and then you have the microphone. Yes. Can we have another microphone, please? السلام عليكم كوتش. عندي سؤال رضوان عنا هداف الجزائرية. سؤال أول كوتش، هل من تعليق على حادثة الاعتداء على زملاء الصحفيين هنا في دولة؟ سؤال ثاني، إن شاء الله غيان دو ميشون فوغ رامي بن سبعيني، اللي ما شفناش أمس في التدريبات. شكرا. الكيستيون الأولى ما سمعت تيغنون لاغريسيون كوتش كونسيوبي أو كونفخير إيسي أ دولة. Mais heureusement, plus de peur que de... Voilà. Bon, avant toute chose, j'ai appris ça ce matin. Je n'étais pas au courant. J'ai appris ça ce matin très, très brièvement. J'ai appris ça ce matin très brièvement, très furtivement, sans trop d'explications. Juste entendu que voilà, certains de nos journalistes avaient été agressés. Donc déjà... C'est une très mauvaise nouvelle. Je sais que le Cameroun est un pays d'accueil, un pays avec une certaine pays pacifique. Donc on a été assez surpris. Et subhanallah, la veille, j'en parlais à notre ami Patrick, qui est là avec nous, qui nous suivait, qui est commissaire de police. Et justement, on lui parlait de ça, comment vivait le pays et comment voilà, savoir un peu plus, avoir plus d'informations concernant le pays de manière générale. Puisqu'il est commissaire de police, il nous disait un petit peu comment les choses étaient concernant voilà, tout ce qui avait un rapport à son métier. Et Allah, ce matin, on a eu la mauvaise surprise d'entendre que voilà, nos journalistes se sont fait agresser. J'espère qu'il y a plus de peur que de mal. J'espère que ces choses-là ne se renouvelleront plus. Et voilà, qu'il y aura une justice de fait. J'ai pas de doute là-dessus. Et qu'on trouvera voilà, qu'il y aura une action qui sera mise en place. En tout cas, voilà, nous on a envie de parler de football. On est venus ici tous pour la grande fête du football africain. Donc les choses doivent se passer de la meilleure des manières. Donc voilà, un petit message de soutien à nos journalistes. Inch'Allah, qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et que ce soit la première et la dernière fois qu'on entend ce genre de situation. Concernant Rami, il était malade effectivement. Il n'a pas pu participer à l'entraînement. On verra aujourd'hui comment il se porte, s'il est capable de pouvoir participer et de se préparer pour le match de demain, tout simplement. Victoire Ayoum de une question donc d'abord au coach. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux un peu de
groupe, est-ce qu'il y a des blessés, des positifs de Covid, savoir en fait qui est là et pour demain. Et Riyad, I think I will ask you in English, please, if you can in English. How does it feel for you to be here in Cameroon to title and give us how it's been the last 2 days as you arrived, how everything the team. Thank you. No, it feels good to come back and to play another tournament, like a big tournament in Africa. We know how important it is for our people, our countries. And obviously we arrived like, I think 2 days ago. It's not the same weather and as Algeria or where we were in Doha. So we have to adapt, but more or less everything was good. We are prepared and ready to play our first game and to enter the competition. La question c'était les covidés, les blessés, tout ça. Je sais pas, secret médical. Donc non, nous avons effectivement déjà parlé de Rami Ben Sebaini qui est déjà malade. Rien à voir avec les symptômes du Covid, il a été testé, retesté, rien à voir avec ça. Alhamdoulilah, déjà c'est une bonne chose. Mais voilà, il se sentait pas très bien. Il allait mieux hier soir. Donc il y aura une séance aujourd'hui, on verra comment il va se réveiller. Donc on a Mehdi Tarat qui était positif avant d'arriver ici, qui est resté dans notre lieu de stage. Préparation, il va arriver aujourd'hui, il était positif, il est arrivé aujourd'hui, tout va mieux, il a eu sa période de confinement et il est de nouveau négatif, donc il va se joindre normalement à l'entraînement de il arrive ce matin, donc il va sûrement être capable de s'entraîner, on fera l'état des lieux avec lui ce soir. Ensuite, on a eu un ou deux autres malades. Et on verra aujourd'hui s'ils sont capables de rejoindre le groupe. Voilà, plus ou moins la situation du groupe. Gentleman in black. Bonjour coach, bonjour Yad. Donc, Kamel, donc, depuis 48 heures, parlez-nous déjà un petit peu des conditions d'hébergement. Est-ce que vous êtes satisfait d'hébergement des entraînements hier? Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez vu pour l'instant. Et un mot sur le match justement de demain. Donc, parlez-nous un petit peu de cette équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que le match va se dérouler à 14 heures. Ce ne sera pas les conditions peut-être plus souhaitées, notamment en termes de chaleur et d'humidité. Riyad, question un petit peu. Vous avez raté le stage de préparation avec l'équipe nationale à Doha. Peut-on savoir les raisons de cette absence et est-ce que vous êtes prêt physiquement justement à tenir votre place lors de cette CAN? Je pense que deux questions elles sont pour le coach. Donc les conditions de logement déjà l'hôtel tout à fait correct, c'est pas le grand luxe mais on n'est pas venu en voyage touristique ici, donc c'est pas ce qu'on recherche. Alhamdoulilah, les joueurs se plaignent pas, ils arrivent à bien se reposer, bien dormir, voilà l'essentiel, c'est surtout ça qui nous intéresse. Il n'y a rien à redire, c'est tout à fait correct à ce niveau-là. Je suis agréablement surpris par les conditions climatiques. On s'attendait à plus de chaleur, plus d'humidité. Pour l'instant, on est très satisfait. Ça pourrait rester comme ça toute la période où on est à Douala. Apparemment, donc on a peur d'un peu de ce climat qui pourrait comme ça changer du jour au lendemain. En tout cas, pour ce qui était hier et pour ce qui m'a l'air d'être aujourd'hui,
ça nous convient, on n'est pas dans des grosses chaleurs, on n'est pas dans de la grosse humidité, notamment l'humidité, je connais ça. Je sais qu'au Qatar, on a beaucoup ça, et je sais que ça affecte beaucoup les performances ou le potentiel, notamment athlétique, des joueurs. Donc pour l'instant, on est satisfait, on espère que demain, ça sera au moins comme aujourd'hui. Et puis, pour ce qui est de l'horaire du match, c'est vrai que c'est un horaire qui est peu habituel. On n'a pas l'habitude de jouer à part quelques fois en première ligue. Ils peuvent jouer à des horaires comme celle-ci, mais bon, le climat favorise aussi les choses. Là c'est vrai que 14h et puis jouer avec chaleur et une humidité, c'est vrai que on rentre tout de suite dans la difficulté. Donc pour l'instant, ça nous convient. On a joué, je crois, un match au Niger il n'y a pas si longtemps que ça, 16h aussi. Là, pour le coup, il faisait très très chaud. Donc on a cette expérience aussi. Donc voilà. Et puis le plus important, c'est pas de se plaindre. C'est vrai qu'il y a un constat des choses. Il faut jouer avec aussi. Il faut savoir gérer tout ça. C'est un truc à prendre en considération, au même titre que le Covid. Voilà une nouvelle donne à prendre très largement en considération. On peut voir à quel point d'un match à un autre, on peut perdre des joueurs comme ça. Donc c'est tous nos calculs à nous les coachs, aux équipes qui sont remis en question. Donc il va falloir être très bon en capacité d'adaptation et ne pas se plaindre. Le plus important, c'est de trouver des solutions. Voilà l'objet de notre fonction aussi, nous, à nous entraîneurs. Après, je vais me permettre d'intervenir par rapport à Riyad. C'est pour ça qu'il vous a un peu... Bon, il pourra vous donner, si vous voulez, dire un peu son degré de forme. Il a enchaîné quand même pas mal de matchs sur ce Boxing Day, plus qu'à l'accoutumée. Il a beaucoup joué tous les 2-3 jours. Donc, il était convenu de le laisser un petit peu récupérer. On a eu des joueurs qui ont eu... je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait de Rami Ben Sebaini, qui avait joué son dernier match le 18... par exemple, un exemple, ça. Qui avait joué son dernier match le 18 décembre. Et on a eu la reprise, on va dire, on a commencé à travailler le 28 décembre. Donc, ça fait au moins 10 jours de repos, même s'il y a un programme d'entretien, mais c'est 10 jours de repos. Pour Riyad, c'était un match tous les 3 jours, notamment dans ce Boxing Day. Donc, il n'était pas question... Et c'est moi qui ai voulu ça. Il n'était pas question qu'il arrive sur les rotules chez nous, ça ne servait à rien. Donc, il était prévu qu'il récupère un petit peu pour pouvoir arriver à un programme d'entretien et qu'il arrive en pleine possession de ses moyens, frais et prêt à jouer dès ce premier match avec la pleine capacité notamment de ses moyens physiques. Donc voilà le pourquoi de son retard. Alors, il y a eu quelques d'autres joueurs qui sont arrivés, bon, vous savez, par rapport à la date FIFA qui a été reculée au 3 janvier. Donc on a eu des joueurs qui nous ont rejoints à ce moment-là. Il y a eu des joueurs qui sont venus en stage avec nous et qu'on a dû... Bon, ça, je parle surtout pour nos amis, pour nos compatriotes algériens qui ne comprennent pas un petit peu le règlement. Quand on dit que le 3 janvier, les joueurs sont mis à disposition, les clubs ont le droit et nous avons le devoir de leur mettre les joueurs à disposition. Donc il n'y a même pas lieu de dire pourquoi les joueurs viennent et repartent. S'ils arrivent déjà à venir, c'est déjà une très bonne chose et c'est une faveur que les clubs nous donnent. Que ce soit au Qatar ou que ce soit partout ailleurs, c'est la faveur que les clubs nous donnent. Le droit est en faveur des clubs jusqu'au 3 janvier. Donc voilà pourquoi il y a eu l'arrivée de Bardad ou Jamel. Ils sont venus nous rejoindre et puis repartis dans leur club. C'était un deal qu'on avait avec les clubs. Les clubs pouvaient tout à fait naturellement, même pas nous répondre et ne pas laisser les joueurs à disposition avant le 3. Et je veux dire que le 3 inclut, puisqu'ils ont eu des matchs le 3. Donc en gros, ça a été les journées de championnat étaient prévues jusqu'à cette période-là. Et jusqu'à cette période-là, ils étaient en droit de rester en club. Donc ils ne pouvaient nous rejoindre que le 4. Donc nous, on a eu la faveur de ces clubs-là qui nous ont laissé à disposition ces joueurs entre les stages, qu'on peut venir avant, qu'on a pu disposer. Normalement, si on jouait contre la Gambie, qui était prévu le premier, on aurait pu disposer de Jamel, on aurait pu disposer de Bardad. Les clubs ont eu la gentillesse de nous les mettre à disposition. Ensuite, ils ont eu ce match du 3, ils ont voulu récupérer leurs joueurs, c'était leur plein droit. Voilà, donc ça a été une préparation un petit peu, en gros, de manière générale, un petit peu tronquée, un petit peu, un petit peu,
un petit peu compliqué dans le sens où on nous annule des matchs et quand on a des calculs et une planification des choses, notamment sur donner la possibilité, faire un petit peu du turnover, donner la possibilité à certains joueurs de jouer, puis de les mettre directement dans le contexte équipe nationale avec toutes les demandes que nous, staff technique, on peut avoir, et qu'on nous annule notre match, c'est vrai que ça pose un petit peu un souci. Surtout quand on aime que les choses se passent de manière carrée. Donc ça a été une préparation un peu particulière, mais c'est pas le lot que de l'Algérie. Okay, bonjour. Yeah. Bonjour, journal compétition. Une question pour Riyad Mahrez. Il y a eu les clubs européens étaient réticents pour libérer les joueurs. Hein. Bon, ça se comprend, mais ils ne pouvaient pas réglementairement le faire, les bloquer plutôt. Est-ce que pour vous, les choses se sont passées le plus normalement du monde, Air City? Bien sûr, ça s'est passé très normalement. Ils n'avaient pas leur mot à dire parce que voilà, on va jouer pour notre pays et c'est un grand tournoi. C'est comme l'Euro ou la Copa América, donc je vois pas pourquoi il s'y opposerait. Donc ça s'est passé normalement. Ouais. Yes. Coach. Karim Belarbi, Anat Jazair Taulia. Coach, دخول المنتخب الجزائري في ثوب المرشح في هذه الدورة راح يكون في صالح المنتخب الجزائري أم العكس؟ وفي 2019 المنتخب الجزائري لم يكن مرشح لتوج بلكان لكن في الأخير توج. سؤال آخر يتعلق بمهاجم بغداد بونجاح لشنا أنه تعرض لانتقادات الجزائريين خاصة في المباريات الأخيرة والمباراة الأخيرة أمام غانا، هل هذا الشيء راح يأثر على بغداد بونجاح في هذه الدورة؟ On répond en français ou en arabe? Coach, please answer in French or not? Coach, please answer in French. Please, this press conference is in English and French, please. Donc je réponds en français. La pression, on vit avec. La pression, footballeur de haut niveau, entraîneur, on vit avec. Donc effectivement, il y a une différence entre notre arrivée en 2019 et la position dans laquelle on était à ce moment-là et aujourd'hui, arrivé avec ce titre sur les épaules. Mais vous savez bien qu'en 2019, on a annoncé avant d'aller dans ce qu'on avait annoncé. Donc la pression, on se l'est mise tout de suite. À la limite, c'est moi qui me l'ai mise sur les épaules. On l'a assumé, il n'y a pas de problème. Donc cette pression, pour moi, c'est de la pression positive. Derrière ça, il ne peut rien se passer de mal. Ou bien au contraire, c'est de l'ambition, aller en tant que conquérant. Et nous l'acceptons complètement. Et nous ferons le maximum, nous donnerons le maximum pour arriver à nos objectifs. Ensuite, pour ce qui est de Bardet, voilà, la pression va avec. La critique fait partie du métier aussi. Et c'est tout à fait légitime. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. On est soumis à la critique, que ce soit les joueurs, que ce soit l'entraîneur. Et on doit l'accepter. Le plus important, c'est de gérer ça émotionnellement, d'un point de vue psychologique, savoir prendre tout ça en considération et ne pas se laisser submerger par les différentes critiques, notamment quand elles sont négatives. Voilà un petit peu la communication qu'on peut avoir avec nos joueurs et leur dire que le plus important, c'est d'avoir la confiance de ses partenaires, la confiance de son entraîneur et de rester focus et de rester focalisé là-dessus et d'être pleinement concentré sur les matchs. Et les choses, c'est comme ça qu'on change un petit peu la donne et c'est comme ça qu'on peut se mettre à son avantage. Vous avez parlé de Bardad, ça peut être d'autres joueurs aussi. Tout le monde doit venir se remettre en question et tout le monde doit faire toujours plus. Et ceux qui sont dans une situation un petit peu critique, c'est à eux, ça fait partie de leur métier d'interchanger la situation et de passer sur un match, sur deux matchs. On peut voilà tout de suite se mettre en situation de joueur performant
Et voilà, tout l'objet de leur mission aussi à ces joueurs-là. Et ça fait partie de leur métier. We take the last two questions. Gentlemen here, you have the microphone. Go ahead now. Bonjour, coach. Khalid Hamdadou, DZ News. Coach, ma première question, on a exclu la VAR qui vient d'être appliquée durant cette compétition. La vidéo, on utilise les arbitres. Vous avez vu le match d'ouverture hier, peut-être. Elle a été quoi? Elle va être appliquée, la VAR pour la première fois, contrairement à l'édition de l'Égypte. Donc cela vous apaise un tout petit peu, surtout que la VAR ne rate rien. On a vu hier lors du match Cameroun face au Burkina. Donc cela élimine l'un de vos soucis par rapport à l'arbitrage. Surtout l'Algérie a été toujours lésée par les arbitres, que ce soit durant ces tournois ou bien les autres matchs. Ma deuxième question, on a exclu aussi le Sierra Leone. Donc pouvez-vous nous dire... c'est-à-dire les enseignements tirés sur cet adversaire qu'on va affronter demain et que la majorité des gens le sous-estiment. Puisqu'il est arrivé là, ce n'est pas par un simple hasard. Ma question pour Riyad Mahrez, c'est concernant les nouveaux joueurs qui viennent de découvrir l'Afrique. On a vu lors de l'arrivée, ils étaient surpris par le climat et tout. Donc, en tant que capitaine, quel est le rôle que vous avez joué pour mettre vos nouveaux coéquipiers qui n'ont pas encore découvert l'Afrique dans le bain de ce continent? Voilà. Non, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Voilà, à eux de s'adapter, c'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs internationaux. Nous, notre rôle, parce que voilà, on a un petit peu d'expérience, donc on peut-être un peu les guider sur certaines choses, mais sinon, ils font partie d'un groupe de 23 internationaux. Et je pense que s'ils sont là, c'est que ils méritent d'être là, donc ils s'adapteront au climat et à tout ce qui va avec. Effectivement, la VAR, pas seulement pour l'Algérie, mais pour toutes les sélections, je pense, et pour les arbitres notamment, va permettre justement d'avoir des matchs avec le moins d'incidents possibles, de décisions entre guillemets injustes ou de mauvaises décisions. Ça va aider tout le monde, ça va mettre tout le monde, ça va faciliter, même si ça ne va pas être parfait, parce qu'il reste quand même sur un certain moment, il y a quand même après une décision à prendre, il peut y avoir une interprétation qui peut être différente de l'arbitre ou ceux qui analysent les actions sur la VAR. Mais ça limite très largement les erreurs et les oublis ou les non-vues, voilà, de certaines situations. Donc c'est une très bonne chose, on en est tous très contents, pas que nous, la sélection algérienne. On a eu l'occasion hier d'en parler lors de la réunion technique avec un instructeur arbitre qui est venu nous expliquer. On lui a dit un petit peu notre ressenti et qu'on était très très contents de pouvoir bénéficier de ça. Voilà, j'espère à notre avantage, Inch'Allah, on va prendre ça en considération, vraiment très très très, très important de prendre ça en considération. Ensuite, pour ce qui est du Sierra Leone, effectivement, si elle se retrouve aujourd'hui dans cette phase finale, même si c'est 24 équipes et que voilà, ça permet à d'autres équipes, des équipes d'un niveau peut-être moindre, de participer au CAN, mais le fait d'y être, ça veut dire qu'il y a quand même certains résultats. Ils étaient dans le groupe du Nigeria et du Bénin, et je crois du Lesotho. Donc pour cette qualification de Coupe d'Afrique, a priori, il était convenu, entre guillemets, que ce soit le Nigeria et le Bénin qui puissent passer. Donc ils ont réussi à passer devant le Bénin. Ils ont notamment un match référence au Nigeria où ils ont fait 4-4, un match à domicile où ils ont fait 0-0. Donc ça laisse quand même, ça montre très largement que c'est une équipe voilà, sur laquelle il faut faire très attention. De toute manière, je l'ai dit, on le répète maintes fois, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les choses ont évolué, les moyens technologiques, la capacité de récupération d'informations. Il y a un nivellement vers le haut. On voit que ces équipes-là sont maintenant performantes, peuvent apprendre, même si c'est des joueurs qui ne comptent pas des internationaux, par exemple européens ou quoi que ce soit, mais elles ont des fois c'est pas plus mal.
compter sur ses forces en présence, d'être tout le temps ensemble, de pouvoir bénéficier de stages autres que ceux alloués par la FIFA, et puis voilà, qui est joué dans le continent africain avec les conditions, toutes les conditions que l'on connaît, climatiques, ce que vous voulez. C'est peut-être après, quand on met ça sur la balance entre avoir des joueurs expérimentés ou avoir ce que je viens de citer, ça s'équilibre. Donc c'est des équipes qu'il faut prendre très 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 au sérieux. Quand on regarde la capacité du Nigeria, c'est que des joueurs de niveau mondial, notamment sur offensivement. Nombreux jouent dans les championnats majeurs, que ce soit en Espagne, etc. Et puis arriver à tenir en échec deux fois cette équipe-là, si là on n'est pas averti, on le saura jamais. Donc de toute manière, nous, tout le monde doit le savoir, c'est qu'on prend personne à la légère. Nous, on prend tout le monde au sérieux, on considère tout le monde, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, et puis nous, tout simplement parce qu'on sait que, voilà, si demain on baisse la garde, on peut le payer cher. Donc les joueurs sont avertis, les joueurs ont envie de bien démarrer le tournoi. C'est pas une habitude chez nous de bien démarrer des tournois. On l'a bien fait en 2019, et puis on voit que la suite s'enchaîne. Donc là aussi, on a envie de très bien démarrer, en sachant que voilà, on va avoir un adversaire demain, à une horaire particulière, conditions climatiques, on ne sait pas ce qu'elles seront, mais si ça reste comme aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça nous va. Donc il va falloir être présent et ne prendre tout au sérieux. I'm sorry to disappoint you, Guy. This is the final question. It's time for Sierra Leone. They are also here. Thank you very much, Coach Jamal Belmadi, for coming, and good luck for this competition. Thank you. Riyad, thank you very much, and good luck for this competition. Sierra Leone coach and their player next. Thank you very much. Thank you very much for coming. Thank you.